Au Havre, Greenpeace risquait une astreinte de 75 000 euros si elle s'approchait du capitaine Kuroptev, un navire russe venu mercredi chargé de l'uranium appauvri. Qu'à cela ne tienne, les militants ont attendu que le navire quitte les eaux territoriales françaises pour tenter deux actions symboliques. Une première hier soir au large de la Belgique, puis ce matin à 8 h dans les eaux allemandes. Hier, nous avons abordé le bateau en y mettant des banderoles magnétiques hein, sur le capitaine Kuroptev. Et puis ce matin, nous sommes montés à bord du bateau. Là, ça s'est mal passé. L'équipage a été extrêmement violent et a repoussé à la mer donc les gens de chez nous qui étaient venus finalement pour porter une missive au commandant pour lui demander de faire demi-tour. Aujourd'hui, c'est au tour du Mikhaïl Lomonosov d'accoster au Havre pour charger sa cargaison d'uranium. Depuis les années 70, le port du Havre, c'est quand même le nœud du trafic des déchets nucléaires en France. Hein, un transport tous les 15 jours, 600 tonnes. Et puis là, cette semaine, ils ont même fait un effort, puisqu'on en est arrivé à probablement aux alentours de 1000 tonnes qui vont être transportées dans la semaine. On avait le capitaine Kuroptev qui est parti vers la Russie il y a deux jours. Et puis là, le Mikhaïl Lomonosov est attendu dans les minutes qui viennent. Et il va charger le train qui se trouve derrière moi. Et là, cette fois-ci, c'est pour le compte d'EDF. Greenpeace affirme que rien ne sera tenté contre ce navire, mais l'association n'exclut pas de reprendre ses actions dans les prochaines semaines.